Ici, le travail, ça va être avec quelqu'un qui a déjà dégainé son travail. Voilà, qui est comme ça. Voilà. Donc ici, moi je suis un petit peu hors distance. C'est-à-dire que peut-être s'il pique, c'est difficile de piquer. Voilà, il n'y arrive pas un peu trop loin. Un peu trop loin. Donc je vais l'inciter à avancer. Où il ne peut pas toucher, là il peut. 45 degrés. Donc la sensation c'est 30. Surtout pas ça, mais il ne faut pas penser à ça en premier. Hein? J'avance tout de suite. Et ici tout de suite, avant qu'il puisse revenir, je vais avancer ici. Un grand coup d'épaule. Pour vous dire. Allez, tout du chemin. Au ralenti. Changer. Et tout de suite, hors de portée de son sabre. Allez. Bon, c'est ça. S'il vous plaît, pour quel est l'intérêt de reculer, mais à 45 degrés? C'est quoi l'intérêt? Pour le reculer tout droit. Bien sûr. Regardez. Ici, j'avance. Continue. Parce que je suis très près de sa pointe. Moi, mon idée, c'est d'être le plus loin, le plus près possible de son poignet. Et ici, je suis plus près de ici. Ici, si je loupe, il me replie. Donc la sensation, c'est pareil, de bon, sur le coup de poing, on rentre, on fait les mieux, on rentre. Donc ici, 45 degrés. Ici, je suis à bonne distance pour pouvoir coller. Donc c'est important. Souvent, pour couler tout droit. Voilà. Allez. Vous mettez face à la voix, travailler simplement. Ça va.
paraît tellement facile de piquer qu'il faut embrocher. Mais il n'y en a pas beaucoup qui font ça bien. Donc tous les mouvements qui sont faciles, qui semblent faciles, ça n'est pas du tout. Tu rentres, tu piques, tu fais ça. Non? Et ce qui, c'est pas du tout dans la droite, tu s'en fous dans la droite. Quand il y a du ventre, c'est ça. C'est la gauche qui pousse. Et encore. Donc vous allez tenir seulement avec la main gauche, devant, la main debout. Vous avez de la chance, là, il y a 20 ans, on faisait ça avec les sacs qui sont très lourds. Non, c'est pas sans léger. Ça va? Et ici, c'est ça. Contraction du avant, poussez. C'est pas un grand mouvement, c'est un tout petit peu, poussez. Comme s'il y avait quelque chose ici, un seul bloc, poussez. Essayez. Voilà, c'est ça. Le plus détendu possible, tout est relâché, il est ici. Tu sais. Et une fois que ça a poussé, à partir du moment où le bras est plus loin, eh bien on va avancer pour revenir à la même distance. 1, 2. Allez-y, faites-le. Regarde, d'une main. Voilà. Voilà, donc maintenant, il faut aussi penser à l'orientation. Essayez, voilà. Sans trop casser le poignet, c'est pas le problème, c'est qu'il ne faut pas trop le casser, mais quand même, la gauche qui... Oui, très bien. Et après, dès le moment où il y a un léger défir, tu sens ton pied a besoin d'avancer. Et après, tu peux avancer maintenant. Voilà, très bien. C'est bien. Ouais, ça va aller du chien. Donc, tu fais trop. Après, une fois que vous avez pigé le truc, ah ben ça, tu aurais pu le faire maintenant que les autres. C'est pas juste ça. Une fois que tu peux faire maintenant, une fois que vous avez pigé le truc, vous mettez l'autre main au-dessus comme ça. Ça va, pas comme ça. Plus. Hein. Et puis là, c'est un autre. Faut pas que ça se voit. Au départ, les débutants, il faut faire des grands mouvements comme ça de hanche. Et après, c'est très court. Allez, vous rendez à l'arrière, on va prendre ce petit peu de cette fois. Donc ici, comme ça, on peut lancer vers lui pour que ça fasse un guéri. Voilà. Ici, je fais le profil, je me mets face, une fois. Profil, je me mets face, une fois. Même 1, 2, je fais ça, c'est 2. Voilà. Doucement, ça coule maintenant. Tranquillement, distance tout juste. Hein, voilà, je cherche ma distance. Voilà. Allez, on peut chasser sa garde, puis ma machine. On peut faire ou la clé, puis ma machine. On peut faire deux ma machine, comme on veut. Pareil, toujours dans la même sensation. Je disais j'avance, si je veux inciter quelqu'un à attaquer ma grille, je me mets plutôt en fausse garde. Parce qu'en même garde, on est un peu profil comme ça, ça va être plutôt voilà, sur des coups circulaires. Ici, il y a une ouverture, je sais que là il peut rentrer tout droit. Il va peut-être pas le faire. Mais pour inciter, c'est mieux comme ça. Par exemple, ici, moi j'ai envie de faire ma guéri avec le genou. Bouge pas. Hein. Je le fais, mais sur la trajectoire, il y a un genou, il y a le se tordu, les orteils, qui sont même empêtés, j'ai dû être opéré parce que j'ai souvent accroché des genoux. Donc ça m'arrangerait bien que son genou soit plutôt de l'autre côté. Donc c'est pareil, moi pour attaquer ma guéri, j'ai mis en fausse garde. Alors par exemple, si ici, je veux pas, j'ai envie de faire ma guéri, ça marche pas, mais si je me déplace, que lui se déplace, voilà, comme ça. Et maintenant, on va prendre le maguerie qui est. 1, 2, si j'y suis par main. Ben là, il n'y a pas de bouger partout. En général, j'en pense pas. Donc, le fait de le faire déplacer, ça l'ouvre. Le faire... on travaillera dimanche, ça c'est important. Bon, c'était une parenthèse. Donc, ici,
J'avance vers lui, tac, angle. Je vais faire ça, ça. Ici, angle. Non, ça sort tout seul. Ça va, donc c'est possible. S'il vous plaît, c'est. S'il vous plaît, toujours essayer d'être cool et d'avoir des mouvements qui sont toujours le plus près possible des cercles. Pas de 1, 2, mais 1, 2. Ici, c'est comme ça, j'avance. 1, 2. En gros, je n'ai pas fait 1, 2. Bouge pas là, ça tourne. Et nous faisons aussi.